Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode final de Bayern Gunendevil HD. Donc l'épisode 12 ou 13, je ne sais plus. Je compte pas, j'ai la flemme de compter, je suis un gros flemmard. Voilà, donc l'épisode final, je l'ai enchaîné avec l'autre parce que j'avais envie de continuer à jouer. Malgré que ça soit la fin, on va essayer de monter là-dessus, ça ne sert à rien, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je vais attendre un peu que... avant de finir le jeu, j'ai pas envie de le finir, c'est vrai. Oui, je sais. J'ai vraiment pas envie de finir le jeu. Mais alors, pas du tout. Ça ne me motive pas du tout. Mais bon, tous les jeux ont une qu'une fin. Et d'un côté, j'ai envie de le regarder, de le finir, pour la simple raison, pour deux raisons en fait. Parce qu'on va commencer un autre let's play que je veux faire, même si celui-là, s'il y en avait encore, s'il restait encore une vingtaine d'épisodes, ça m'aurait pas déplu du tout, loin de là. Bon, faut bien que tout ait une fin. Et aussi parce qu'il y a la fin secrète, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est la fin secrète, si on a une, parce que. Non, il y en aura peut-être une, comme j'ai bien fini le jeu là. Ah non, peut-être pas en fait, parce que j'ai pas fait le jeu des perles, je sais pas. Ou au pire, de toute façon, si je veux voir une fin secrète, là, je vais sur YouTube. D'accord. Bon, du coup, je vais prendre ça pour moi, j'aime en entier. Risque de collision. Voilà. Ah non, il y avait une autre sauvegarde là. Comme j'aurais pu vous laisser là pour l'épisode d'avant, c'est pas grave. On va re-sauvegarder. Ouais, j'aurais pu m'arrêter ici. Bon, tant pis. Non, pas ici. Annuler sauvegarde, oui. Je veux que tu sauvegardes ici, voilà. Donc les deux épisodes risquent d'être un petit peu courts. En tout, ça fera 40-50 minutes. J'aurais bien aimé vous faire un épisode complet de 50 minutes, mais je sais pas si je pourrais avec ma tablette qui n'enregistre pas très longtemps. Genre, je crois que c'est 45 minutes max, une connerie comme ça. Et après, ça plante, ou je sais pas. Peut-être que faut que je désactive un truc, je ne sais pas comment ça marche. Tout le monde en position. Allez, on est motivé là. On est motivé, on a un putain de boss à défoncer. Merci beaucoup. Oui, bah on t'entend à peine, il y a la musique de taré là. Bon, allez, petite cinématique, je mets le son à peu près comme il faut. Enfin, je crois. Ouais, non, je vais peut-être le monter encore. Ouais, je vais monter un petit cran. Voilà, donc un boss un peu particulier, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il va pas être comme tous les autres. On va baisser le son. Parce que celui-là, il est. En fait, vous voyez, il y a un gros personnage là. C'est pas lui le boss c'est l'araignée que les yeux là. Aïe, par contre, je commence à prendre cher là, je vais prendre des coups là, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce bois de gel? Et vous allez voir, il y a un autre truc qui est. Bon, c'est un peu tout, comme tous les boss, hein, ils se protègent, c'est un peu normal. Sauf que. Oula, ça fait mal. Parce que vous allez voir, ça va être un petit peu particulier. On va le taper, hop. Ouais, je fais n'importe quoi. Arrête de me tirer dessus. Voilà, boum. C'est pas ça qui est très particulier par rapport aux autres boss, c'est ce que vous allez voir après.
C'est pas tout de suite. Ah si, c'est là. Regardez. On va devoir combattre Paige en fait, parce que la main là, ce qu'il y a dans sa main, c'est en fait c'est Paige. Et le problème de Paige, eh ben, c'est que maintenant il peut le. Ouh là, c'est pas ce que je veux dire. Il peut le contrôler, et du coup il peut en invoquer à l'infini comme ça. Bon après il s'est retenu, mais bon, c'est un peu chaud. Hop, voilà, boum. Donc on est une alien un peu comme lui en fait. Sauf qu'ils ont réussi à me rendre humaine. Voilà quoi. Je sais pas si tout casser en fait, c'est ça. Je sais pas. Là, je peux dire. Toi, tu te caches. On peut déjà le taper. Voilà. Et en fait, on va faire un truc. Tu vas me donner tes appuis parce que j'avais plus besoin de toi, mec. Non, pas comme ça. Voilà, toi. Tu vas me donner tes impairs parce que j'avais plus besoin de toi parce que toi tu prends aucun dégât. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, je crois qu'il y a. Mais non, pas Paige. C'est n'importe quoi, tu fais pas ce que je veux. Paige. Donne-moi ton AP1, hop. Parce que j'avais plus besoin de toi, tu vois. J'ai pas tous les AP1, c'est pas grave. Donc il peut invoquer Paige. Ça va être chiant. Et sauf que là, il aspire double H. Voilà, super. Donc il va pouvoir invoquer double H. C'est encore plus super. Et donc je disais, je suis un peu une alien comme lui. Ils ont réussi à me rendre humaine. Aïe, entre guillemets. Merci, c'est gentil de me faire mal. Là, c'est un peu particulier parce que là, si on se croit, on se retape tout. Et oui, on se retape tout. Genre, s'il nous donne un coup, il faut le retaper 100 milliards de fois là. Voilà, il faut esquiver tout simplement. Mais en fait, s'il est en face et qu'on va en arrière, et ben ça marche pas. Et oui. On se fait un peu ken, on va voir ça 2-3 fois, on va tout se régénérer totalement notre vie là. On a plein de cœur. Voilà aussi pourquoi je vais plus aller à faire. Donc là, on va devoir affronter plein de double H. Je crois qu'on les two-shot. Enfin, non, les one-shot même. Et ça devient très drôle. Et là, il va nous faire culpabiliser en disant que c'est notre faute, machin. Ouh, je dis Bowser. Mais non, pas lui. Il fait n'importe quoi. Non, il faut pas abandonner le combat. Arrête de me déprimer, toi. Mais putain, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est quoi, c'est une tape dans tous les sens. Au secours. Ouh, c'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug? Ah non, c'est pas un bug. C'est vrai. Oh, c'est trop bizarre. Et en gros, là maintenant quand je vais aller à droite, il va à gauche. Et les touches sont inversées. Bon, j'ai un peu l'habitude à force de devoir l'affronter ce boss. Mais bon, c'est quand même pas hyper simple. Donc en gros, pour aller à gauche, faut que j'aille à droite. Pour monter, faut que je descende. Alors, je sais jamais. Voilà, il va falloir faire ça, faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais en étant en mode... en bon mode, en fait. Pas en normal. Du coup, bah, c'est un peu nul. C'est un peu chaud, je vous avoue que j'ai galéré un peu avec ça. Bah voilà. Bon, peut-être que je fais au moins une fois à ce moment-là. Là, j'ai réussi le premier coup. C'est cool. Voilà, on a tué le boss final! Et oui, après il va y avoir plein de cinématiques, il va y avoir plein de trucs, du coup bah, on n'en a pas fini, toujours tout de suite, il nous reste plein de trucs encore à faire. Enfin, plein de trucs à regarder plutôt, après on va avoir un petit générique de fin un peu spécial, enfin un générique normal quoi, mais il va être un peu plus cool. Van Gooden Devil, voilà, j'ai réussi à récupérer le trophée Van Gooden Devil, c'est cool. Là on devient toute blanche et je vais me taire pour la cinématique. Je vais même monter le son à fond. Non, peut-être pas si. On va aller à 32, voilà. 32, ou 33 même. 34 même. Pas comme ça. Et je vous laisse pour la cinématique. Je me tais. Voilà. Je me tais, mais je parle encore. Fuck la logique. Voilà. Et on réanime tout le monde. Pourquoi je parle? Faut que je me taise.
On va encore monter le son. Parce que cette cinématique de fin, il faut pas que je parle. Oups, c'est un peu fort quand même. Et nous, il y a tous nos potes, il faut que je me taise. Il y a plein de double H derrière. Bayonne Gooden Devil, acheté! Acheté, attention, parce que franchement, d'acheter, il est plus fun quand même. Donc voilà, on a réussi à ressusciter tout le monde et on a vu plein de double H à l'arrière, j'ai pas trop compris. C'était soit un bug, soit un. Je sais pas, en fait, ils ont pas voulu se faire chier, ils ont voulu faire plein de personnages, ils ont fait plein de double H. Bon, c'était les Sexual Fans, ils ont été libérés, je ne sais pas. Enfin bref, on a fini ce jeu merveilleux. Plus que merveilleux d'ailleurs, c'est un de mes jeux préférés. Je sais pas si j'avais déjà dit, mais c'est un de mes jeux préférés. Enfin, le gameplay, je sais pas, ça passe. Le gameplay, c'est assez cool. C'est le gameplay que j'aime bien, mais surtout l'histoire, je kiffe. C'est vraiment l'histoire que j'aime dans les jeux. Mais l'histoire de jeu est vraiment hyper cool, je trouve. Pour le boss, je vous avoue que la première fois que je l'ai fait, je suis mort plus d'une fois. J'arrivais pas à le battre, surtout que j'avais pas tous les APM qu'on a eu là. Du coup, bah malheureusement, on peut plus retourner sur Ilis. Parce que là, si on reprend, on va avoir la sauvegarde du jeu là, à un endroit. Et en fait, le réacteur est cassé. Du coup, dès qu'on a battu le boss final, si on n'a pas sauvegardé, bien sûr, on peut retourner sur Ilis. Mais si on a sauvegardé, on peut plus rien faire. Donc, si vous voulez être Beluga et vous balader dans Ilis, il faut recommencer le jeu. Ça c'est aussi un petit truc que je trouve pas ça hyper cool, c'est qu'en fait dès que t'as toutes les perles, toutes les photos, tous les mêmes disques, tu n'as plus vraiment rien à faire, t'as un peu rien à faire dans Mario Golden Devil. C'est pour ça que le jeu a beaucoup de défauts, il est court, et il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est pas comme Zelda par exemple, tout con, avec dessus on peut passer 60 heures de jeu dessus pour finir à 100%, ça c'est cool, parce qu'il y a plein de trucs à faire sur le côté. Bon après c'est comme tous les jeux, hein, qu'à récupérer tous les items du jeu, bah t'as plus rien à faire après. Enfin, ouais, c'est comme FF10, je sais pas d'autres exemples, FF10-2, tous les FF, hein, tous les FF ils sont, enfin Final Fantasy, ils connaissent pas l'abréviation, il y a aussi tous les Zelda qui sont longs, enfin la plupart, je les connais pas tous, mais normalement ils sont à peu près tous longs. Il y a quoi d'autre? Enfin bref, il y a plein de jeux qui sont longs comme ça. Mais celui-là est court malheureusement. Un jeu que je kiffe est court. Bon, souvent les jeux les plus courts sont les meilleurs. Voilà, c'est comme les blagues. Non mais franchement il est un peu court je trouve. 6 heures de jeu alors que j'ai pris mon temps en vidéo et tout. Je trouve ça vraiment un peu court. Mon record je crois c'est 4 heures, 4 ou 5 heures. Parce que j'ai essayé d'aller le plus vite possible avec toutes les paires et tout. Si vous voulez je vous montre. Hein. Ça me gêne pas. Enfin si ça me gêne un peu. Parce que après c'est bien, il faut que je change de compte, que je revienne sur le jeu et tout. Et j'ai la flemme. Voilà, mais je crois que je suis à 4-5 heures en tout. Enfin, en essayant d'aller le plus vite possible. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à vous dire à part que ce jeu est juste magnifique. Je suis content qu'ils aient fait une remix. Surtout qu'ils n'ont pas enlevé de trucs, parce que souvent quand ils font une remix en HD, ils enlèvent des parties de jeu souvent. J'ai pas d'exemple, parce que en fait c'est le seul jeu que j'ai eu en HD, que j'ai eu remixé. Tous les autres c'est les premiers, donc je sais que certains jeux, je crois que Kingdom Hearts, je sais pas Kingdom Hearts, mais un jeu un peu comme Kingdom Hearts ou Final Fantasy est un peu. Je vous parle de ces jeux-là, alors que c'est pas du tout un thème, mais c'est pas grave. Il me semble qu'il y a la remix d'un FF ou de. Kingdom,
Et en fait, ils ont enlevé des passages, il me semble. Je sais plus. Je sais plus de. Je sais qu'il y a un jeu qui est plus court. Enfin, ils ont enlevé des phases. Je sais plus lequel c'est, mais bref, on s'en fout. Donc j'espère que ce let's play vous aura plu. Moi, j'ai kiffé vous tourner. Dès que j'aurai l'HDPVR, je peux vous dire que je vous le refais sans hésiter. Si j'en ai un jour, mais si j'ai un HDPVR, je peux vous dire que Bumble and Devil, je vous le refais direct. En HD direct, parce que ça aussi, je suis un peu déçu. C'est que j'ai pas de truc qui me permette de filmer l'écran directement. J'ai pas le PC non plus pour. J'ai pas un PC pour un PC. J'ai juste un PC de merde. J'étais un peu déçu de vous filmer comme ça, parce que là par exemple, là je vois bien, c'est bien éclairé, là vous voyez un peu plus, trop sombre, trop clair. Voilà, moi c'est bien, c'est cool, et vous voyez de la merde. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. Est-ce que je peux le passer ça? Non. Je trouve ça un peu dommage, du coup je préfère vous le refaire si j'ai un HDPVR, mais direct, je cherche pas à comprendre. Je vous le refais. Enfin, c'est tout, parce que ce jeu est magnifique. Je l'adore. Il est bien fait. Il est beau. L'histoire est sympa. Le gameplay. Non, l'histoire est hyper cool. Le gameplay est sympa. Franchement, il faudrait qu'il fasse plus de jeux comme ça. C'est pour ça qu'il y a. Dead Kaya aussi, par exemple, qui est. Bon, Kaya, on va pas se le cacher. La qualité est pas super. Bon, c'est un vieux jeu aussi. Il y a aussi la masse de bugs. Ceux qui n'ont pas vu mon let's play, vous avez eu quelques bugs, mais je peux vous dire que j'en ai eu beaucoup plus en solo. Un jeu sympathique, l'histoire est cool, le gameplay est super cool. Là par contre, Kaya, je kiffe ce genre de gameplay. Enfin bref, je vous parle de plein de jeux en fait, là, comme ça, boum. Kaya d'ailleurs, que je vous referai peut-être, je sais pas, si j'ai envie. Bon, je vous avoue, Kaya... on le fait une ou deux fois, deux, trois fois, ça suffit. Après, moi j'ai pas spécialement envie de le refaire, surtout c'est pas un jeu très court et qu'il y a des phases que j'aime pas trop. Donc là, quasiment toutes les phases j'aime bien, sauf les parties pillards. Les pillards, j'aime pas du tout. C'est un des seuls trucs que je déteste. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je déteste. J'ai horreur de ça, mais je sais pas. Ah non, bah non, s'il y a une phase secrète, je pense pas qu'on l'ait. Parce qu'on n'a pas fait les perles, le jeu des perles, battre le record de Mamago là, du Rhino là chez Mamago, mais on n'a pas réussi à battre les records des courses, et je crois qu'il y avait un trophée. Donc je me sens très con. Je peux regarder? Oui, je peux regarder si ça continue vraiment. Non, il n'y a pas eu de trophée. Où est-ce que vous deux? Pas section alpha. Voilà, on a eu tous les trophées. On est des ouf. Alors qu'ils sont très classe, hein, je trouve. Ils ont fait un taf de. Ça va pas être bien compliqué. Bon, je sais pas faire, loin de là, je sais pas du tout faire ce genre de choses. Ça doit pas être très compliqué à faire, je pense. À faire des trophées. Je suppose, après, je ne dis rien. Moi, je dis ça, c'est comme. Avant, je pensais que boulanger c'était plus simple que ça. En fait, c'est hyper compliqué. Pour ceux qui ne savent pas, je fais un CAP boulanger. Mais c'est hyper compliqué. Alors que je savais que c'était dur, mais pas ce point en fait. Pour tous les boulangers qui me regardent, vous comprendrez. Vous comprenez. Pour ceux qui regardent pas, pour ceux qui sont pas boulangers, là. Au Ligme, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi je savais que c'était dur, mais pas à ce point. Voilà, c'est tout. Là je crois qu'on va avoir une petite scène bonus. Enfin, la fin secrète, enfin c'est peut-être une fin, je sais pas si c'est une fin secrète ça. D'ailleurs le phare qui est totalement défoncé, qu'ils n'ont pas réparé je crois. Bah non, parce que enfin, ils n'ont pas réparé normalement. Et une fin qui fait penser qu'il y a un 2 en fait, c'est pour ça que normalement il y a un 2 qui va sortir dans pas longtemps, je sais plus quand il va sortir. Mais normalement il y a un 2 qui va sortir, apparemment qui ressemble un peu à Assassin's Creed. Bon ça peut être cool hein, un Bumble and Devil Assassin's Creed, ça peut être cool. Je sais pas si je prononce bien d'ailleurs Assassin's Creed. Et je crois que d'ailleurs c'est pas Beyond Good and Evil, c'est Beyond Good and Evil. Evil. Donc je sais pas si je le prononce bien. Une vidéo que je viens de faire. Beyond Good and Evil. Evil. Les prononciations, je peux rien vous dire. Dirigé par Michael Ancel. Vous devez pas le voir parce qu'il y a un vieux paysage derrière. Producteur du projet Ivesque, puis j'ai pas eu le temps de dire.
Scénario Michael Ansel, Jack Exertier. Alors, continuez les mecs. Dialogue Jack Exertier. Putain, j'arrive pas à les prononcer. Dessin du jeu Michael Ansel, Sébastien Morin. Continuez les gars. Musique composée. Oh, j'en ai marre de dire. Ben bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, Batman Golden Devil 2, je ne sais pas combien ça. Il me semble qu'il sort début 2015. Je vous dis des bêtises en plus, ou alors on je sais plus, mais il me semble. Soit il sort cette année, soit il sort l'année prochaine. C'est tout ce que je peux vous dire. Normalement, c'est ça, c'est ce que j'avais vu sur les forums et sur les sites officiels de Batman Golden Devil. C'est ce qu'il disait. Bon, après, peut-être des retards. Mais il y a eu des bandes annonces et tout du jeu. Enfin, des bandes annonces. Je crois que c'est des bandes. Non, des trailers. Non, je sais pas. Je sais pas comment on dit pour des jeux. On la voyait prendre un avion, je sais pas quoi là. Enfin bref. J'ai hâte de jouer aux deux, je vous avoue. Dès que le 2 sort. Alors, soit je le fais tout seul, parce que c'est un jeu que j'aime bien faire tout seul. En vidéo, c'est un peu moins bien. Enfin. En vidéo, c'est bien. Après avoir fait le jeu, parce que j'aime bien refaire les trucs que je sais. Que je connais et tout. J'aime bien refaire les jeux que j'ai déjà fait. Sur ça, on verra si Batman Golden Devil 2, je vous le fais soit je vous le fais directement sans que j'ai puisse voir le jeu, soit je vous le fais après l'avoir fait. On verra si. De toute façon, c'est sûr, je vous le fais. Si j'ai moyen de le faire, je vous le fais directement. S'il sort pas, s'ils disent qu'il va pas sortir, bah, je vous le ferai pas parce qu'il sortira pas. Mais s'il sort, dès qu'il sort, j'essaierai de vous faire un let's play dès que je l'aurai en possession. Après ou avant que je l'ai fait. On verra. C'est en fonction de si j'ai la patience. Par contre, si je suis en plein let's play, Zelda, par exemple. Alors, je ne compte pas vous faire de Zelda pour l'instant. Alors, je compte peut-être vous en faire un. Je spoil un peu. Là, je vous dis un, parce que le prochain let's play, c'est soit Zelda, soit Kingdom Hearts, soit FF10. Je vous dis rien. Bon, quand je vais vous dire Zelda, je ne compte pas vous en faire. Pour l'instant, je ne compte pas vous en faire, donc. Mais si je suis en let's play qui dure genre. Un let's play qui dure genre 70 vidéos, là vous pouvez laisser tomber. Hein. Parce que si je viens juste de le commencer, je peux dire que le jeu, je le ferai tout seul de mon côté hein, avant de le faire. Enfin bref. Là, on a des photos sympathiques de toute l'équipe là. Là, on voit Waf. Là, on voit une petite, Paige, Jade. Non, c'est pas Jade ça. C'est la meuf un peu moche là, bizarre, tout bleu. Double H, un gosse, lui je sais plus qui c'est, je me souviens plus, un gosse et je sais pas qui c'est, je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à voir, c'est peut-être un. Je sais pas, je vous dis peut-être de la merde, j'arrive pas à voir. C'est peut-être un gosse avec coiffe, je sais pas. Ah oui, c'est ça, c'est un gosse avec coiffe. Oh putain! Là on a Paige, on a double H, le truc est un peu long quand même. On a Paige, on a double H, on a Waf avec une coccinelle. Là on a double H avec un gosse qui poursuit avec un bâton. Attention, hein, toi tu t'es pris des haches dans la gueule mais t'as peur d'un bâton. Enfin bref, là ce jeu est magnifique. C'est eux qui n'ont pas mis par contre la musique qu'on entend au début là. Qu'on entend un peu partout dans le jeu mais qui est juste énorme. Je kiffe cette musique. Que je vous ai fait écouter pendant quelques secondes là sur Overcraft. On a encore un truc là, un gosse. Bon, c'est un peu long là, il y a eu 15 minutes de blabla là, je vous ai dit que de la merde là, je vous ai dit tout et n'importe quoi, pas que de la merde. Je vous ai dit tout et n'importe quoi, je sais pas, j'ai pas envie. Ah, donc c'est pour ça que je préfère couper l'épisode en deux, parce qu'on regardait 25 minutes, ça serait pas passé sur l'autre vidéo, je pense. On aurait fini avec une vidéo d'une heure coupée en deux en fait. Alors. Ubisoft Studio, blablabla, on a Jade avec Paige. Franchement, Paige, c'est un de mes persos préférés, je vous avoue que je l'aime bien, Paige. Malgré qu'on voit que au début, que à la fin. Bon, allez, là, je vais vous montrer la fin. Merde, alors. Spéciale plateforme. Donc là, si je reprends le jeu, je reprends la dernière sauvegarde. Ne nous relance pas sur l'île, genre. Bonjour. Merci à ceux qui nous ont accompagnés durant une partie du chemin, j'ai pas eu le temps de lire. Merci à ceux qui nous... Ah d'accord. D'accord. Remerciements spéciaux à tous les joueurs qui ont testé le jeu lors de... Je sais pas quoi. Remerciements spéciaux à tous les joueurs qui ont... Lors des focus groups. Je sais pas ce que c'est.
spécial pour tout. Oui, tu l'as déjà dit. Je veux un autre texte. Remerciements spéciaux à Mina, toute l'équipe d'Annette, nanana, toute l'équipe de. Je suis pas train de dire non plus. Voilà. La petite scène en plus, on va dire. Ce serait cool qu'il y en ait une encore après, mais je pense pas. Vous allez voir, c'est un peu spécial. Ça donne envie de faire le 2 en fait. Voilà. Voilà. Voilà, Paige. Tu fais la gueule apparemment. C'est un peu horrible, ça veut dire que le mec qu'on a tué n'est pas mort, enfin je crois pas. Je sais pas ce que ça signifie ce truc, mais en tout cas ça défonce. Apparemment ça tue la personne comme Double H, il a failli se faire tuer par ce truc. Donc voilà la fin du jeu, donc ça donne envie de voir la suite. Hein. Je crois qu'on a débloqué des trucs en plus. Classement, ça sert à rien ça. Vous devez vous inscrire à Sony Hunter. Je suis pas inscrit. Genre je suis pas inscrit. Ah mais peut-être parce que je suis avec Ratchet et Clank, enfin le compte Ratchet et Clank. Making off, je crois qu'on l'avait pas ça avant. Ouais, c'est un peu Illis qui se fait attaquer. Hein. Voilà, cette musique est juste énorme, je kiffe. Non! Je voulais voir si on pouvait accélérer, enfin genre changer de photo. Bon bah, en tout cas, j'espère que ce let's play vous aura plu, ce let's play magnifique, côté, etc. La prochaine fois, on se retrouve sur un nouveau let's play, que je ne dis pas ce que c'est. Il y aura peut-être moins de vidéos, il y aura peut-être moins de vidéos, parce que là, en gros, c'est à peine, normalement, c'est deux semaines, une semaine, là, ça va être la troisième semaine que j'entame, parce qu'il y a les vacances, donc j'entame une troisième semaine, je suis hyper fatigué, je suis de plus en plus fatigué, parce que... Comme je me réveille de plus en plus tôt. Ah, ça c'est classe. Quand je me réveille de plus en plus tôt, bah. D'habitude, c'est. Je me lève pendant 2 semaines à 4h30, après je me lève à 8h. Voilà, c'est à peu près ça. Du coup, je peux me reposer un peu plus. Et alors là, je m'attends à ma 3e semaine, donc je risque de faire une vidéo tous les 2 jours à peu près. Parce que je suis vraiment fatigué des fois. Là, c'est vraiment assez horrible. Genre, le matin, quand je rentre après le boulot, c'est. C'est limite, je m'endors dans mon assiette. Et parfois, il n'y aura pas de vidéo. Bon, bah, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié le let's play. Moi, je suis super content de vous l'avoir fait. Je recommencerai bien une petite fois. Non, je ne sais pas vraiment. Regardez, si on vient là, bah, voilà. J'aimerais bien vous le refaire encore une petite fois, mais bon. Je ne peux pas vraiment. Enfin, si, je pourrais, mais je ne vois pas trop l'utilité de faire 2 fois le let's play d'affilée, quoi. Encore, genre dans... 1 an peut-être, si j'ai l'âge des PVR. Mais je me pose une question. Oh non, mais oh, eh, wow, tu te calmes tout de suite. Voilà. Je vais vous montrer ce qui se passe en fait. Regardez, c'est, si on remonte là, le moteur stellaire il va faire. Alors on peut pas remonter malheureusement. Ça aussi c'est un peu nul. Non, je garde pas en ligne de mire. Donc on peut pas remonter malheureusement. C'est pour ça que c'est un peu nul. Risque de collision. Altitude excessive. Donc voilà, donc j'espère que ce let's play vous aura plu. Je suis super content de vous l'avoir fait. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour le prochain let's play que je ferai. Tout seul, je sais pas encore. Salut. Bon allez, salut.